La décision n'est pas encore arrêtée. On va attendre demain après-midi, le dernier entraînement. Et j'aurai un échange avec Nabil demain après-midi. Parce que les 2 semaines de sa reprise, voilà, je voulais avoir ses sensations pour savoir si on peut l'intégrer ou pas au groupe qui partira à Reims demain soir. Bah, ses sensations personnelles, c'est le plus important, ça, savoir comment il se sent physiquement, s'il se sent prêt à participer à une vingtaine de minutes, 25 minutes ou pas. Et simplement ses sensations personnelles. Est-ce que tu sens une impatience? Tu sens une impatience chez lui ou et chez Pas toi? forcément, non, non, pas forcément. Ce qui est important, c'est qu'il soit prêt et qu'il dure. Parce qu'on sait que ça, des années post-Coupe du Monde, si on précipite les choses, ça peut engendrer quelques mois après des blessures, des méformes. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est pas qu'il participe au deuxième match parce qu'il faut absolument qu'il participe. C'est surtout penser à sa santé pour la suite et qu'il soit performant pour l'équipe sur la durée.